Donc sur ce parcours, nous avons 4 filles et 6 garçons. Romero Héloïse, d'abord altéro. Christophe Marie, de la SPT de Strasbourg. Or Justine, SHC à Guenon. Et Piguet Clara. Quatre sport. Chez les garçons. Benoît Yua, Roteux. Serge Enzo, de Quatre sport. Cancé Canten, de Figeac, HEC Figeac. Garcia Florian, Clermont-Sport. Mulor Julien, Clermont-Sport. Yildrim Mario, d'Alsace. Musique, s'il vous plaît. Les arbitres. Donc la compétition sera arbitrée par Béatrice Arquier, arbitre régional de la région donc, de Provence-Côte d'Azur. Jean-Claude Delpuech, de la région de la Guadeloupe-Roussillon, qui arbitrera lui aussi ce plateau. Et Gérard Vineski qui arrive. Tu vas être puni, Gérard. Qui arbitrera donc lui aussi ce plateau de la région de la Guadeloupe-Roussillon. Et celui qui, donc, contre la technique, c'est notre ami Jo Guerrero, qui sera donc contre la technique dans cette compétition. Donc vous redescendez et au passage je vais vous donner un petit cadeau. Musique. Je vous rajoute à la salle des chauffants. On va aller chauffer. D'accord. Donc nous avons la chance d'avoir présenté à la compétition, monsieur le maire. Notre ami à chaque fois par qui est présent à cette compétition. Tout à l'heure, il ouvrira la cérémonie, mais il a tenu à être présent avec Caroline, qui est Caroline Alcaraz, qui donc elle s'occupe de sport. Ils ont tenu à être présent au démarrage de la compétition. Donc, je rappelle aux athlètes que pour tout changement de bar, ça se produit dans la salle d'échauffement. L'ordinateur est en bas, il n'est pas en haut. En haut, il n'y a rien. Il y a uniquement le speaker. Donc tout se fera par le speaker en haut pour avancer la compétition, mais par contre le changement de barre se fera en bas. Merci. Donc, 10 minutes au premier rebond. Bon.
Là, lui, pour l'Espagne. Non, non, pas l'Allemagne. 5 minutes, on démarre ça. Ouais, il faudrait l'afficher, que tu mets au chrono. Les 5 minutes s'affichent pour eux et pour leur dire, voilà. Ouais, c'est 10, c'est 10 ou 2 ou 3. Hein, tu mets plusieurs fois 2 alors. Tu mets 2, tu as plus 2, après on verra. La petite, la par contre, frappé sur le. Il faut l'arracher les volets. Ouais. Je vais revenir par notre DTN avec toi pour l'interview pour les, par rapport au tournoi, le DTN. Bernard, tu viendras avec lui pour qu'il y ait ce double. Les filles sont pas nombreuses. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois 6, 48, 5ème de l'année. Avec 10 minutes en plein. À tous les athlètes. Nous remettrons toutes les récompenses à la fin du dernier plateau. Toutes les récompenses seront remises à la fin du dernier plateau, c'est-à-dire à 19h. Dernière minute. Courage. Mesdames et messieurs les arbitres en place.
feuilles. Moi je prends les filles. Donc il reste 30 secondes. J'en profite pour vous signaler que donc monsieur le maire est présent à ce moment à l'échauffement. Madame Alcaraz et sa conseillère municipale qui s'occupe des sports est présente aussi. Nous avons la chance d'avoir le président de la fédération. Attention, les micros sont toujours branchés là. Les deux. Cinq secondes. Je cède la parole à Philippe Louis. Voilà, donc début de ce tableau, la Coupe Bernard Garcia. Au début de la première semaine, le premier séquai de Pierre Sport à 15 kg. 16, c'est pas grave. 16 kg. Donc début du tournoi international de France. Et la Coupe Bernard Garcia réservée à tous les plus jeunes de ce plateau qui se déroule donc à Clermont-Lérault. Et on débute avec une jeune athlète du club de Clermont, née en 2007, qui a donc 8 ans et qui est championne Languedoc-Roussillon chez les Poussines. Et vous allez remarquer une excellente technique déjà pour cette catégorie d'âge et de poids. Voilà, c'est réussi pour Clara Péguet. On va mettre, je pense, 18 kilos sur la barre, Laurent et Ferreira. 18 kilos. L'année dernière, elle avait torché Romero. L'année dernière, aussi, elle avait torché Romero. Donc Clara Péguet qui vient de réaliser cette première charge à 16 kg. Son record actuel, son record personnel est de 28 kg dans ce mouvement et de 18 kg dans ce mouvement. Et donc dès ce deuxième mouvement, elle va tenter de réaliser ses 18 kg. Sachant que pour elle, ce qui est important, c'est pas tellement de faire des performances très élevées, mais ce qui est important, c'est de réaliser la barre dans de bonnes conditions et avec un mouvement parfait. Donc je suis accompagné de Daniel Menoni qui va lui aussi commenter avec moi, Bernard Soto, donc tout au long de cette compétition. Voilà, donc elle disposait bien des 2 minutes puisqu'elle se succédait à elle-même. Et donc là, elle est sur sa barre record de l'arraché. Eh bien, c'est parfait. Vraiment une belle technique pour Clara. Donc, dès le deuxième essai, elle est sur son record personnel. Finira sur 20 kg à son troisième essai, se prépare ensuite Héloïse Romero en haltéro. Alors Clara bien sûr va essayer là d'améliorer sa meilleure performance. Elle ne pèse que 28 kg et on peut constater que avec une excellente technique, eh bien, il n'y a pas de risque à pratiquer, je dirais, les mouvements d'haltérophilie. Une bonne posture, un bon placement du dos, un bon placement, et on peut réaliser des performances excellentes, surtout à cet âge-là. Elle n'est pas encore autorisée à participer dans des championnats de France ou autres, mais la catégorie d'âge des poussines va lui permettre de goûter déjà aux premières joies des postures et des soulevés. Voilà, c'est presque parfait. Je dirais qu'à mon goût, il manque juste le passage sur les cuisses, mais un sans faute et une super performance pour cette jeune athlète. Donc Clara Péguet, qui est une jeune athlète, qui est de la même famille que David Balp. Elle a commencé l'haltérophilie, voilà, maintenant 3 ans. C'est
est une très très jeune athlète, hein. Athlète née en 2007. Le but pour elle n'est pas de réaliser des performances élevées, mais de toujours réaliser le mouvement le plus parfait possible. Maintenant, nous allons passer à une athlète qui, elle, est une athlète de Narbonne. Qui aujourd'hui pèse 51,750 kg, qui a été deux fois vice-championne de France minime, une fois vice-championne de France cadette, et qui participe à son deuxième tournoi Randon. Donc pour sa première barre, elle prendra 40 kg. Romero Héloïse, qui est entraîné par Michel Valentin. C'est bon pour Héloïse. Et elle réalise une bonne entame de compétition, puisque avec 40 kg, elle est quand même assez proche de son record qui nous est donné à 43. Donc on peut penser qu'aujourd'hui, elle devrait l'améliorer. Le changement de barre en bas, c'est lié à l'échauffement assez rapidement. La progression automatique voudrait 1 kg supplémentaire, mais comme elle était très facile sur cette tentative, on peut penser qu'elle prendra soit 43, c'est bien ce qu'on pouvait penser. Donc on va la retrouver à 43 kg sur son record personnel, et à signaler que cette année, Louise vient d'intégrer le Krebs de Toulouse, structure de haut niveau, et qu'elle espère bien sûr, à son âge, à peine 15 ans, eh bien, faire une longue carrière au niveau de ce sport qui lui plaît et qui plaît à beaucoup de jeunes filles maintenant. Donc elle dispose des 2 minutes et ça a démarré au chrono, et en fait... Elle va se présenter dans peu de temps sur cette barre. On retrouvera ensuite la record woman de France chez les cadettes 15 ans. L'Alsacienne Marie Christoffel ensuite, qui devrait peut-être aller chercher des records de France aujourd'hui d'après les barres de départ. Donc dès ce deuxième essai, Héloïse réalise son propre record. Un mouvement qui a été parfaitement exécuté. Et se présente maintenant Christoffel Marie, championne de France minime en 2014, championne de France cadette 1 en 2015 en moins de 48 kg, et troisième au championnat de France junior, bien qu'étant cadette, en moins de 48 kg. En fait, elle a eu un double surclassement et c'est une athlète donc d'avenir. Donc Christoffel, son propre record est à 48 kg. Cadette 2, sous la catégorie 48 kg. Donc Christoffel Marie, donc qui est une athlète de Strasbourg, elle est entraînée par Guy Kohler.
Elle a déjà participé au Randon. Cette année, donc, elle est encore une fois sur l'ancienne compétition qu'on appelait les Petits As, qui cette année, pour la circonstance, s'appellera Bernard Garcia, Coupe Bernard Garcia. Ouais, une belle technique également pour Marie, qui réalise facilement cette barre. Là, un record personnel, qui est le record de France d'ailleurs, à 48. Donc on peut penser que sur le deuxième essai, elle est aujourd'hui dans la catégorie supérieure, les 53 kilos. Donc vous pouvez voir à l'écran, elle est bien en 48 kilos. Les athlètes à l'échauffement. Héloïse Romero qui va tenter donc de battre son propre record personnel qui est de 43 kg. Elle va tenter donc une barre à 45 kg. Ce qu'on peut noter pour l'instant, c'est que les athlètes s'appliquent à essayer de faire au mieux et s'appliquent surtout à réaliser leur barre parfaitement. Voilà, c'est des matchs pleins qu'ils cherchent à réaliser. En fait, 3 essais sur 3 à l'arraché. On a en général réalisé un bon parcours dans l'attente du deuxième mouvement olympique, l'épaule jetée. Et là, Héloïse, elle est toute proche du record de France dans cette catégorie qui est à 46. Voilà, le record de France, 46 kilos. Et elle est sur 45, donc vu la facilité des premiers essais, elle devrait réaliser cette performance. Eh bien, elle s'est bien bagarrée sous cette barre, elle l'a maîtrisée du début à la fin et c'est validé. Voilà, avec beaucoup de souplesse. Elle est un tout petit peu précipitée au départ, mais malgré cette précipitation, elle s'est bien rattrapée comme le signale Daniel. Donc elle bat son record personnel de 2 kilos. Et pareil de l'autre côté. Ah, les chargeurs n'ont pas été assez attentifs, comme les arbitres d'ailleurs, qui n'ont pas vu que la charge demandée est 47 kilos. Il manquait un kilo. Donc voilà pour Marie Christoffel, son deuxième essai, proche de son record à 48. Dans le cas où la barre aurait été faite à 46 kg, l'athlète avait le droit de faire un porter réclamation. Essai. Sans doute un peu déconcentré. Un peu déconcentré, oui. Je pense que elle va reprendre cette barre de 47 kg avec une plus grande détermination et une plus grande explosivité qui lui permettra de l'amener beaucoup plus haut et de réussir. Sur l'ordi, il est à 50, hein. Ouais, c'est ça, en fait, il a le... 47. Et lui, il doit l'avoir à 45 sur le... C'est le petit papier. Non. Alors, apparemment, à la salle d'échauffement, un petit problème, hein.
puisque nous on voit sur l'ordinateur 50 kg pour Quentin Kans, alors que en bas ils auraient sur les papiers il y aurait 45, donc on est en train de corriger ce tir. Après, ce qu'on peut faire, je pense, c'est finir l'arraché de toutes les filles et puis commencer l'arraché des garçons, puisqu'on est censé changer de barre. Marie-Christophe se prépare pour son troisième essai. Donc troisième essai pour Christophe Marie, dont le record personnel est de 48 kg. Il lui reste un petit peu moins d'une minute. Alors Marie, c'est la fille de Christian Christoffel, son papa qui est entraîneur à la SVTT Strasbourg, bien sûr, et qui n'est pas là pour la coacher aujourd'hui. C'est toujours difficile. Le public soutient Marie. Voilà, si elle se place bien et qu'elle s'engage bien sous la barre. Voilà, c'est réussi. Et une belle technique sur cet essai. Faire l'arraché des garçons pour changer, ouais. Pour 3 barres. Bon, en fait, c'est pas grave. Donc, on conservera la même barre pendant ce premier essai de Quentin Kans, étant donné qu'il reste encore une fille. On aurait pu faire la séparation des filles et des garçons, mais cela aurait rallongé inutilement la compétition. Donc, on préfère laisser la barre donc de 15 kg, qui est une barre avec un axe beaucoup plus faible que celui des garçons, mais c'est pas un inconvénient pour les garçons, ça serait plutôt un inconvénient pour les filles si on changeait la barre et qu'on mettait une barre des garçons. Et en plus, Quentin Kans de Figeac est un athlète tout jeune lui aussi, né en 2002, donc 15 ans, et qui va débuter sur cette barre, toute proche de son record. Donc Quentin Kans, qui est vainqueur du trophée des minimes en 2015 et vice-champion de France par équipe minime, et qui vient de réaliser sur cette première barre 50 kg. Il est à 5 kg de son propre record. On peut penser qu'il va prendre bien plus que la progression automatique des 1 kg, puisque c'était relativement facile. Donc les 2 minutes ont démarré pour Quentin et dispose des 30 premières secondes pour modifier cette barre. Alors il y a peut-être quelques difficultés de communication avec le talkie-walkie, avec la salle d'échauffement. Et c'est
deuxième essai pour Quentin Kans. Il est surpris parce que là, c'est plus petit. Et pourtant, il sort des minimes. Il reste par là. C'est bon pour Quentin. On comporte alors à 52 kg pour l'athlète. On se prépare à la suite Justine Courte. Donc il lui reste encore une tentative à Quentin et on peut penser qu'il vaut beaucoup plus que ces barres-là, puisque réalisé pratiquement en demi-flexion. Alors c'est vrai qu'il vient de la catégorie des minimes, donc peut-être avec encore un petit peu d'appréhension sur ce plateau. Donc 52 kg, il est à 3 kg de son propre record, qui est de 55 kg. C'est un jeune garçon qui sort donc vainqueur du trophée des minimes. Donc il lui reste encore 1 minute 20 au chrono. Il a eu 2 minutes puisqu'il se succède à lui-même. Bon, afin de réaliser un score parfait, et voilà, il a pris une progression de 6 kg entre son deuxième et troisième essai. 57 kg pour le troisième essai de Quentin Kans. Se prépare ensuite Justine Roth. Donc c'est pour améliorer son record personnel qu'il détient avec 55 kg. Changement de disque avec des 15 kg au départ. Disque jaune, une barre de 20 kg avec les bagues. Voilà ce qui fera ici 55. Et ensuite un petit kilo de chaque côté pour se préparer pendant les 57 kg pour le troisième essai de Quentin Kans. 57. Attention au chargement. Donc une petite mise au point pour les chargeurs. Qui avait laissé 55 au lieu de 57. Donc il va essayer de battre son propre record. Et il est réalisé. Bien, sans faute. Parfaitement réalisé, donc il bat son record de 2 kg. Pour l'instant, chacun des athlètes qui passe sur le plateau essaye ou d'égaliser ou de dépasser ses propres records personnels. Pour l'instant, il n'y a que Christophe Elmarie qui a manqué un essai, son deuxième essai, mais tous les autres athlètes ont fait pratiquement du 3 sur 3. Donc la compétition est bien lancée. Alors on retrouve Justine qui est une finaliste des derniers championnats d'Europe qui va passer junior, bien entendu, la saison prochaine. Elle est dans la catégorie là des
69 kilos, un tout petit peu au-dessus de, des 63. C'est une jeune fille donc, qui a déjà réalisé à l'arraché 69 kilos. Trois fois championne de France cadette, hein, deux participations au championnat d'Europe, hein, un record de France à l'épaule jetée avec 88 kilos. Et un excellent arraché qui vient d'être réalisé. C'est bon pour Justine. Portons la barre à 60 kilos pour la même athlète. Bon, c'était très facile pour Justine. Je pense qu'elle va prendre plus que le kilo supplémentaire demandé par le règlement. Et avec un record perso à 69 kilos, elle peut se permettre de prendre au moins 2 ou 3 kilos de plus. Après, il est vrai que nous sommes en début de saison sportive et que donc c'est le retour sur les plateaux pour ces jeunes athlètes. Elle dispose de 2 minutes, hein, puisque... Messieurs les chargeurs, vous restez sur le plateau. 62 kilos. Alors, 62 kilos pour le deuxième essai de Justine. Donc elle fait un bond de 3 kilos. Il faut mettre les poids bleus pour 60 au départ. Les 20 kilos. Et Jo, il faut que tu redonnes des cours aux arbitres. Hein. Je suis désolé, mais... C'est très bien. Il faut qu'ils réagissent par rapport à ça aussi. Quoi. Je veux dire, quand il y a 60... Donc on change la barre. Hein. On passe sur une barre avec des disques bleus. Voilà. Et un petit kilo chargé pour 62. Pour le deuxième essai de Justine Roy. Elle ne pèse que 64 kilos, 800 grammes, donc dans cette catégorie des 69. Elle se rapproche de sa meilleure performance. De l'Hérault et vice-présidente de Hérosport. Donc Justine Haute, 62 kilos pour cette deuxième barre. C'est une athlète du club de Haguenau. Voilà, nous allons demander à Justine Haute de se présenter pour son deuxième essai à 62 kilos. Donc une jeune fille à la fois efficace, mais aussi charmante. Et un 62 kilos bien enlevé. C'est bon pour Justine. Nous allons porter la barre à 63 kilos. Ici les chargeurs. Elle va se succéder encore pour son dernier essai, pour l'instant avec 63 kilos, mais il semblerait qu'elle soit assez facile et qu'elle puisse prendre également un peu plus lourd. Même si sa technique à l'arraché est bien perfectible, dans la mesure où elle manque un petit peu d'extension pour vraiment accompagner cette barre le plus haut possible. Elle se jette un petit peu dessous, donc c'est un petit peu dommage. Elle escamote. Voilà, elle va prendre 65, donc dans le temps imparti. Elle a le droit de changer. Pour l'instant, un seul essai de manquer.
Tous les autres athlètes ont réalisé 100%. Le seul athlète à avoir manqué un essai, Christoffel Marie de Strasbourg. Mais elle a été un petit peu déconcentrée au moment du chargement de la barre. Hein. Donc Justine, elle, va s'attaquer à ce troisième essai à 65 kg. Son record personnel est de 69 kg. Justine qui a débuté l'haltéro il y a quelques années aussi et qui a été déjà trois fois championne de France chez les cadettes, donc les 17 ans, donc à 15 ans, à 16 ans et à 17 ans, elle a déjà remporté le titre national. Elle passe pour la saison prochaine et donc dès le mois de janvier 2016 chez les juniors. Ce sera un tout petit peu plus dur pour elle, mais elle est en phase de progression et en tout cas elle se positionne en tête de ce plateau qui regroupe les plus jeunes pour cette coupe Bernard Garcia dont on salue ici la mémoire. Bernard Garcia qui nous a quitté l'an dernier à peu près à la même époque, malheureusement, après avoir lutté contre une maladie sévère. Ah, elle a manqué un peu d'extension, là, Justine, ce qu'on avait remarqué tout à l'heure sur son essai. Et maintenant, on va avoir plus que quelques garçons en compétition. Donc 72 kilos sur la barre, hein. Donc là on a mis l'axe olympique des garçons. Et là c'est un autre Clermontais qui va débuter, Enzo Sergent. Deux fois champion de France déjà chez les cadets, catégorie des 62. Recordman de France il me semble aussi chez les 15 ans. Qui est un athlète d'avenir, comme on dit, formé à l'école de Clermont. Et donc il démarre déjà au-delà de son propre record personnel qui est de 70 kg. Et il vient de faire 72 kg. C'est bon pour le premier essai de Enzo Sergent. Dès sa première barre, il barre son propre record personnel. 13 kg pour l'instant pour son deuxième essai. Réaliser très facilement ces 72 kilos pour Enzo. Et merci de donner le changement, Sylvia. Je pense qu'il prendra 3 à 4 kilos de plus pour un deuxième essai. Afin de se rapprocher du record de France de cette catégorie qui est à 80 à l'arraché. Les 15 kilos là-bas, ce sera pour le premier essai de Florian Garcia. Les disques de 25. Donc on charge la barre à 75 kg avec, avec des disques de 25 de base. Donc Florian Garcia qui est un garçon donc, qui a participé déjà au championnat de France. Il a été troisième champion de France cadet. Il a été deuxième en Coupe de France des clubs au niveau des cadets en 2015. C'est un garçon en devenir que le club a aligné donc sur cette Coupe Bernard Garcia parce qu'il faut qu'il se mette en confiance.
C'est un garçon sérieux à l'entraînement. Il pèse 81,5 kg. Son record personnel est de 88 dans ce mouvement. Ouais, c'est réalisé très très haut pour Florian. Et vu son record, c'est vrai que il débute assez loin et je pense qu'il va monter tout proche de son record. Quant à Enzo, qu'on va retrouver maintenant pour son deuxième essai, eh bien, ce sera simplement une tentative pour améliorer son record personnel. Et donc, proche du record de France qui est à 80 kg dans sa catégorie des 62, 80 kg. Il détient à l'épaulé jeté, donc on le verra sans doute tout à l'heure, il détient le record de France de l'épaulé jeté avec 101 kg. Enzo. Très dynamique, très souple. Et à son premier essai, il a battu son propre record en réalisant 72 alors qu'il n'avait réalisé jusqu'à maintenant que 70 kg. Et là, il s'attaque à 75 kg pour cette deuxième charge. Hein. C'est bon pour Enzo. Très rapide et bien réalisé sur le plan technique pour Enzo. Donc il améliore son record et il y a encore un petit peu de marge, je pense. Voilà, ben 78 demandés et 2 minutes au chrono, bien sûr. 3 kilos de plus. Donc pour l'instant, les athlètes se comportent parfaitement. Depuis le début, uniquement 2 essais ont été manqués. Ce sont des athlètes qui, pour cette coupe Bernard Garcia, sont en train d'essayer de faire de mieux possible leur mouvement. Il faut espérer que tout à l'heure, les seniors qui, eux, jouent leur place au prochain championnat du monde, feront aussi bien et feront des barres aussi parfaites. Donc il reste un peu moins d'une minute pour Enzo et il va lui falloir donner toute son énergie pour améliorer son record et réaliser cette barre qui est déjà de très haut niveau pour son âge, bien sûr. Voilà, bah c'est parfait pour Enzo. C'est validé. Et 3 essais réussis, 3 sur 3. Et il a donc, sur ce mouvement, il a progressé de 8 kg. Donc Florent Garcia qui lui va s'attaquer maintenant à 80 kg. Il est à 8 kg de son propre record personnel. Dès sa première barre, il a réalisé 75. Et ensuite, nous verrons venir sur le plateau Julien Mulhor. Il a été troisième champion de France cadet cette année et il a été deuxième dans la Coupe de France par équipe cadet en 2015. C'est un athlète très sérieux qui essaye à chaque fois de se perfectionner. Et voilà. C'est bon pour Florian.
La barre est réussie. Nous portons la barre à 89 pour les stars. Techniquement bien réalisé par Florian et avec une marge de quelques kilos pour améliorer ce deuxième essai. Donc on va passer à Julien Mulhor, un autre athlète de Clermont Sport, à 82, premier essai. Julien Mulhor a cette année été dans l'équipe qui a gagné la Coupe de France Junior. Il a été aussi dans l'équipe qui a gagné le championnat de France de National 1A en finale. Hein. Donc il a participé à la gagne du 14e titre de championnat de France des clubs, National 1A. C'est un garçon qui a fait 3e au championnat de France en junior, 3e au championnat de France en cadet, 3e au championnat de France en cadet deux fois, qui a gagné la première, qui a été premier en Coupe de France cadet en 2014. Dès sa première barre réalisant 82 kg, il est à 6 kg de son propre record personnel qui est de 88. 85 kg, messieurs les chargeurs, ça sera pour le premier essai de Mario Ildirim du club d'Auberdé. Il sera suivi de Florian Garcia. Mario Ildirim, quant à lui, l'Alsacien, il a un record bien supérieur à ses 85 kg, donc. S'il ne change pas sa première barre. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Il a monté un petit peu. On va retrouver pour son troisième essai Florian Garcia. Il trim donc prend plus lourd, puisqu'il vient de demander une barre à 90 kg. Ce qui est beaucoup plus logique par rapport à son propre record personnel qui est de 5 kg à l'arraché. Pour son troisième essai. Et c'est bon pour Florian qui réalise donc 3 sur 3 lui aussi. Il est un peu en dessous de son propre record personnel qui est de 88, mais il a fait quand même 3 beaux essais, un 75, un 80, un 85. Et maintenant c'est Julien Mulhor qui lui va attaquer dès son deuxième essai 87 kg, sachant que son record personnel est de 88. Charge, Julien Mulhor prend la tête de ce classement masculin de la Coupe Bernard Garcia. La tête provisoire, évidemment. On l'a vu très facile sur son premier essai, à 82, et on peut penser que cette barre aura le même succès. Il y a une technique qui est presque parfaite. Une belle accélération. Voilà, une belle chute sous la barre, un bon engagement. Et c'est réalisé très facile. Julien Mulhor. Nous portons la barre à 88 kg pour l'instant. 90 kg. Donc, changement. 90 kg pour le premier essai. La barre va monter pour tous les trois derniers athlètes, donc à 90. Alors Benoît Johan devait passer à cette charge, il vient de demander 95 kg. Benoît Johan donc est un garçon qui est du club de Monteux. Son record personnel est de 100 kg, il est champion du Vaucluse 2014. Donc il vient de changer, il a pris 95 kg, maintenant c'est Mario Ildirim du club d'Auberné. Se présente pour son premier essai.
Ben, c'est réalisé très facile pour Mario, à 10 kilos de son record, donc un bon début de compétition pour lui. Quant à Julien Mulor maintenant, ben, ce serait l'explosion de son record personnel. Parce qu'à ce niveau-là, pour un jeune de 18 ans, il ne pèse que 62 kilos et quelques grammes au-dessus. 90 kilos, c'est une performance de très haut niveau. Et s'il reste dans la technique qu'il nous a montrée sur ses deux premiers essais, c'est sans doute un essai qui sera couronné de succès. Un bon placement, une belle extension, une barre près du corps qui vient toucher le haut des cuisses. Ah, malheureusement, elle est montée très facile et très rapidement, mais il l'a lâchée derrière avec un léger arc de cercle qui l'a propulsée trop sur l'arrière pour la retenir. Mais c'était une belle tentative. 95 kilos maintenant sur la barre pour sans doute Johan Benoît de Monteux. Athlète de 17 ans, d'un bon gabarit, plus de 90 kilos et qui dépasse déjà son poids de corps à l'arraché. Ce qui est très honorable, même s'il n'a pas encore été sélectionné au championnat de France. Je pense que cette saison, ça doit être son objectif, les championnats de France, cadet ou junior. Voilà, bah, toutefois, avec un petit déséquilibre, mais réalisé parfaitement. C'est bon pour... Pour l'instant, Julien Mulor est en tête de cette compétition à l'indice IWF Sinclair. Et Mario Hildirim essaye de rattraper son retard et de faire monter cette barre jusqu'aux 100 kilos pour essayer de rattraper Julien Mulor. Donc avec 5 kilos de plus, 95, on est sur une barre aussi proche du record de Mario, qui a un record à 100. Mario Hildirim qui aujourd'hui pèse 71,8 kg. Une barre à 95 kg. Parfaitement réalisé. Et c'est bon pour Mario Hildirim. Un bel arraché pour Mario. Il disposerait de 2 minutes s'il prend le 96. Pour l'instant, c'est la progression automatique. Et en fait, on peut penser qu'il va essayer de se rapprocher des 100 kilos. Pourquoi pas d'ailleurs 100 kilos. Charge qui a été demandée par Johan Benoît. Mettez les jaunes, les petits jaunes. Dernier essai de Mario Hildirim du club d'Aubernay. Se prépare ensuite Johan Benoît à 5 kilos. Donc Mario Hildirim qui va s'attaquer à 98 kilos. Son record personnel est de 5 kilos sur cette charge. C'est un athlète qui a été champion de France dans la catégorie donc des moins de 69 kilos en KD2. Il est né en 1998. Voilà son poids de corps de 71,8 kg et tout proche de la catégorie des 69, bien sûr.
ce qui lui permettrait maintenant de reprendre quelques points au coefficient IWF pour le gain de cette rencontre. Pour l'instant, le classement au coefficient IWF classe donc Julien Mulor en tête, suivi de Mario Ildrim, puis de Serge Enzo, enfin Benoît Johan, puis Garcia Florian, et pour terminer, Quentin. Chez les filles, c'est Haute-Justine qui mène, je dirais, la danse. Elle est suivie de Christophe Marie. En troisième position, Romero Héloïse. Et puis, donc, ferme la marche, Clara Peguet. Et voilà, excellente barre. 98 kilos. Un petit déséquilibre sur l'avant, mais c'est un bel essai d'arraché, proche de son record. Très belle technique. Deuxième essai de Joanne Benoît. Joanne Benoît du club de l'AR en Monteux. Joanne Benoît, coaché par Gourier Benoît. C'est son record personnel. Et par Jean-Pierre Brunet, président du club de Monteux. 100 kilos pour cet athlète. Encore tout jeune dans l'haltérophilie. Il a découvert l'haltérophilie il y a une année à peu près. Donc déjà champion du Vaucluse et champion de Provence également. Et donc 100 kilos pour un contre-on. Malheureusement manqué. Manque un peu de détente. Voilà, il a manqué un peu d'extension. Et un saut un petit peu... En canard. Voilà, un petit peu en canard. La barre est restée devant et il va falloir qu'il rectifie tout ça dans les 2 minutes qui lui sont accordées. De façon à ce qu'il réalise les 100 kilos. Toujours un cap psychologique à franchir, cette barre des 100 kilos, que ce soit à l'arraché ou à l'épaule jetée. Et Joanne, pour l'instant, bien sûr, c'est son record. Le chrono devrait démarrer pour... Alors voilà le dernier essai pour Benoît Johan. Alors sur cette troisième charge, donc Benoît Johan est encouragé par le public. Il terminera ce premier plateau de l'arraché avec une barre à 5 kilos. Ah, décidément. Elle est pas loin, mais c'est dommage. Une barre un peu refusée, comme on dit souvent. On la laisse devant et on ne finit pas l'extension, malheureusement. Et voilà, alors il y a un petit entracte de 5 minutes avant l'épaule jetée. On redébutera avec les jeunes filles et avec la toute jeune Clara Peguet qui débutera à 25 kilos. Peu de déchets sur cette premier plateau donc, de l'arraché. 5 essais de manquer sur 30, c'est-à-dire 16% de manquer. Des athlètes qui ont essayé de réaliser dans des mouvements relativement parfaits, quelquefois d'ailleurs parfaits, c'était le cas de le dire. Hein. D'autres fois, lorsque c'était manqué, c'était pour un manque d'extension ou pour une déconcentration temporaire.
On profite de ce petit entracte, de ce petit temps mort pour remercier tous les partenaires de cette manifestation. Le club organisateur, bien sûr, et la municipalité de Clermont-l'Hérault. Les généreux donateurs qui ont participé, je dirais, à que chaque année, ce fabuleux tournoi, eh bien, qui en est à sa 13e édition, eh bien, rencontre encore le succès qu'il mérite chaque saison. Et pour la première année, eh bien, cette coupe Bernard Garcia, tragiquement disparue l'an dernier, eh bien, nous permet de récompenser les tout jeunes, les petits as, les tout jeunes de ce tournoi qui viennent se confronter et découvrir ensuite sur les deux prochains plateaux les athlètes féminines de l'équipe de France, les athlètes masculins de l'équipe de France qui viennent jouer leur sélection pour les championnats du monde qui se dérouleront à Houston aux USA le mois prochain, au mois de novembre. Donc beaucoup d'enjeux pour les prochains plateaux, pour les athlètes que nous découvrirons tout à l'heure avec une partie de cette équipe de France qui nous représentera à Houston pour gagner les quotas olympiques. Sur le plateau des féminines, il y aura également une athlète roumaine, deux athlètes espagnoles, et sur le plateau des garçons ensuite, un athlète roumain, un athlète arménien, espagnol également. Donc de belles bagarres en perspective sur les prochains plateaux. Et les petits jeunes qui prendront exemple justement sur leurs aînés avec de belles réalisations jusqu'à présent à l'arraché puisque très peu d'essais manqués. Et maintenant, l'épaulé jeté va débuter dans quelques instants. Ça ne dérange pas cette petite part. Je suis surpris, en fait, c'est un gamin minime, donc normalement il ne doit pas être surpris. Jusqu'au mois de juin, je pourrais avoir ce bar-là. C'est un minime, mais il s'entraîne avec une grosse. Je te donne la clé parce qu'on a une photo dans le coffre, ça serait bien de faire après la soirée, quelques vidéos. Quelques café matchs, offert par M. Bulgarides. Ah, c'est gentil, merci. Je voudrais bien aussi. Qui a tout juste 8 ans. C'est au-dessus de l'existant. Comme ça, ça fait mieux. Je pense, hein, puisque là, le projet, c'est escalier, dans l'angle là-bas qui monte sur le premier étage. C'est bon pour Clara. Eh bien, c'est très bien pour Clara qui débute avec un. Un joli geste technique pour cet épaulé jeté. Son propre record est de 28 kg à Clara.
Mais toujours le même technique pour elle. Le but de l'opération, c'est pas de faire lourd, c'est de faire bien. Et ça, Laurent Pedreno y est très vigilant. À l'échauffement, vous voulez bien mettre le deuxième essai de Clara avec Pekino, s'il vous plaît. Voilà, elle va prendre 28 kilos pour son deuxième essai. Ça représente déjà son propre poids de corps. Quelques années de pratique, puisque ça fait 3 ans qu'elle est au club, avec des charges très légères. Donc, elle a pu s'améliorer techniquement. Elle procède comme tout à l'heure, hein, ou plutôt Laurent procède comme tout à l'heure. Hein. À son deuxième essai, elle s'attaque à son record personnel, avec toujours les mêmes consignes, faire bien. Toujours une belle technique pour Clara qui maîtrise 28 kilos. Donc, c'est son poids de corps, 28 kilos, 28 kilos 150, elle pèse. Hein. Et donc, comme tout à l'heure, elle va s'attaquer à 30 kilos. Elle va réaliser des comptes bons, 20 kilos à l'arracher, 30 kilos à les projeter, pour un poids de corps de 28 kilos, 28 kilos 100 grammes. Donc là, avec 30 kilos, elle soulève plus que son poids. C'est quand même remarquable pour une athlète tout juste 8 ans. C'est une petite donc, qui vient s'entraîner depuis maintenant 3 ans. Elle a fait tout le cursus d'apprentissage. Elle continue son apprentissage. Et c'est une jeune fille donc, qui est de la même famille que David Balp. David Balp qui, lui, était allé aux Jeux Olympiques en 1992 à Barcelone. Et donc, sous l'œil de Gaël Nayoketchanke, elle est en train de mûrir doucement, comme une jeune pousse. Hein. Les bases de la technique s'acquièrent comme dans tous les autres sports à cet âge-là. Pourquoi pas ? On ne cherche pas les charges maximum, on fait l'apprentissage de toutes les postures, dans chaque position, dans chaque mouvement, dans tous les mouvements qu'on pratique. On ne fait pas de musculation à cet âge-là, on fait de l'éducation, des éducatifs et des gestes techniques. Voilà, et les barres, lorsqu'on les maîtrise techniquement, elles sont réalisées avec facilité. Voilà, et en plus elle a de l'énergie et de la vitesse, ce qui est excellent pour notre sport, l'haltérophilie. 6 essais réussis pour Clara. Elle devrait aller loin, comme on dit. Elle a suivi son frère, Clara. Elle a suivi son frère à l'entraînement et puis elle suit toutes les autres championne et champion du club de Clermont. Exact, Gaël Ketchanke, que l'on verra tout à l'heure sur le prochain plateau et qui draine sans doute beaucoup d'autres jeunes filles dans le club, comme tous ces jeunes, toutes ces jeunes pousses qui participent à cette Coupe Bernard Garcia 2015. Pour son premier essai à 50 kilos. Et là, on va retrouver la Narbonnaise Héloïse Romero à 50 kilos pour son premier essai. Elle a déjà arraché 45 et devrait réaliser un sans faute comme à l'arraché, à l'épaule jetée sans doute. Donc Romero Héloïse qui dans ce mouvement a déjà réalisé 57 kilos.
Comme le disait tout à l'heure Daniel, elle est cette année au centre, donc au Krebs de Toulouse, où elle suit les entraînements assidûment. Pour elle, c'est un peu difficile parce que c'est une jeune athlète. Hein. Et donc, dès l'âge de 15 ans, de se retrouver séparée de sa famille et vivre en internat, ce n'est pas évident. Elle l'a voulu, elle a choisi, Héloïse, elle veut faire du haut niveau et concilier le sport et les études dans un centre de haut niveau, dans un pôle espoir, qu'on va qualifier comme ça, sur le pôle du Krebs de Toulouse, managé, coaché par Nicolas Gilles, cadre technique du ministère des Sports et auprès de la Fédération française d'haltérophilie musculation. Eh bien, quelques athlètes sont dans les centres de haut niveau, voilà, au Krebs d'Aix, à l'INSEP, à Amiens également. Marie-Christoffel, donc, qui va passer sur cette barre à 54 kg, son record personnel de 61 kg. Allez pour les jeter. Une fille qui a beaucoup d'énergie, qui s'applique. Peu de fautes techniques, pratiquement aucune. Christoffel va porter à 55 kg. Ce sera pour la deuxième essai d'Héloïse Romero. Marie un petit peu en dessous de son record épaulé jeté, mais qui va faire sans doute comme tout à l'heure une petite progression pour aller se rapprocher de cette barre record. Je pense qu'elle prendra plus que les 55 kilos qui vont être chargés sur le plateau maintenant pour Héloïse. La compétition est maintenant bien lancée. Les chargeurs ne font pratiquement plus aucune faute de chargement. Les arbitres sont très attentifs. Donc 55 kg, elle est à 2 kg de son record personnel. Bien réalisé. Et un bel essai pour Héloïse à 55 kg, supérieur à son propre poids de corps, bien sûr. Et donc, c'est déjà une belle performance. Il lui faut maintenant peut-être tenter son record, qui est de 57. Et je pense qu'elle va faire charger cette barre pour son dernier essai. Changement, messieurs les chargeurs, vous restez sur le plateau. Nous portons la barre à 57 kg. Ce sera pour le deuxième essai de Marie-Christoffel, suivi de Héloïse Romero. Marie-Christoffel à 57 kg dans la catégorie des 48. Excellente performance pour Marie également. Toute proche de son record de France, qui est à 61. Et qui débute de manière tout à fait honorable donc cette saison sportive 2015-2016 avec cette barre de 57. Pour l'instant, au classement provisoire, Marie-Christoffel est deuxième derrière Justine Roth. Hein. 57 kg, deuxième essai. Pour Marie-Christoffel, elle est championne de France minime en 2014, championne de France cadette 1 en 2015, en moins de 48 kg. Et troisième championne de France junior, elle a été surclassée deux fois. C'est bon pour Marie-Christoffel. Eh bien, ma foi, elle réalise parfaitement cette barre. Troisième essai de Héloïse Romero.
Et on va donc retrouver maintenant à 58 un petit kilo de plus pour Héloïse Romero, qui va essayer d'améliorer son record. 58 kilos, c'est déjà pour cette jeune athlète de 15 ans une belle performance. Elle a été un certain temps recordwoman de France dans cette catégorie, Héloïse. Record battu depuis par une jeune athlète de Vaux-en-Velin, Clarisse Barbier, qui progresse également beaucoup. Et cette catégorie des 15 ans, des jeunes athlètes cadettes 15 ans, cadettes 1, comme on dit, garçons et filles 15 ans, très prometteuse. Ah, hélas, hélas pour Héloïse. Il lui manque un peu de force dans les jambes. Et malheureusement, elle ne peut pas remonter de la flexion de l'épaulée. D'accord. Donc cette fois-ci, à l'épaule jetée, on fera passer d'abord toutes les filles et ensuite on fera passer les garçons. Donc on enchaîne avec Christophel Marie qui passera à 60 kg pour son troisième essai. Puis nous aurons Haute Justine pour ses trois essais à l'épaule jetée. Marie Christophel, eh bien une belle barre de 60 kg, proche de son record. Proche de son record de France, voilà, il faut le préciser également. Elle détient les trois records dans cette catégorie. Marie. Donc à 60 kilos, eh bien, elle essaye de reprendre l'avantage de Justine Hott, qui mène la danse dans cette catégorie jeune féminine. Un bel épaulé. Et normalement, voilà, magnifique jeté. Belle technique de l'Alsacienne qui en avait sous le pied, comme on dit, et qui est toujours bien techniquement et qui réalise 5 essais sur 6 dans ce match et qui a donc bien débuté sa saison 2015-2016. Quant à Justine Hott, qu'on va retrouver maintenant, elle débute à 76 kilos. Performance Donc, nous allons... Mettez la barre à garçon à 60 kg. Ça, je savais que ça pourrait marcher. Premier essai pour 15 Kanté à 60 kg. Alors on va avoir le premier jeune garçon qui va débuter à 60 kg, le Figeacois Quentin Kans. Jeune minime, champion en 2015 au Trophée National. Et qui va débuter ici à 60 kilos. Maintenant, pour une nouvelle saison qu'il découvre chez les Cadéens. On a appelé Quentin, premier essai. Ah.
Donc un petit peu de flottement dans le dans la salle d'échauffement puisque la barre est chargée et demandée à 60 kg mais une minute de repos avant de passer à l'épaule jetée. Apparemment, les athlètes n'ont pas été prévenus qu'on finissait l'épaule jetée des filles et ensuite on passait à l'épaule jetée des garçons. Réglementairement parlant, on sait ce qu'on fait d'habitude. On termine tous les arrachés, tous les épaules jetées des féminines et ensuite on passe aux garçons. Puisque comme ça, on ne fait pas de changement de barre et tout à l'heure, apparemment, ça a gêné un petit peu le jeune Quentin Kans. Donc le chrono est arrêté et on va patienter un tout petit peu. 76. Barre fille à 76 kg. Oui. Pour le premier essai de Justine Roth. Laisse-la comme ça celle-là. Laisse-la. Sur l'autre, tu mets des 25. Alors 76 kg pour le premier essai de Justine Roth. Voilà, petit souci de changement de barre, mais nous allons reprendre le cours de ce plateau et peut les jeter. Vous deviez, tu m'avais écrit que tu as passé un examen d'arbitre national et puis vous ne l'avez pas fait. Ah, c'est le 14 novembre. Je fasse des commentaires. Ah, tu peux. 76 kilos. Le micro est libre. Allez, on encourage Justine Roth à 76 kg sur le premier essai. Donc on reprend la compétition avec Justine Roth à 76 kg. 78 kg, messieurs les chercheurs. On stoppe le combat. Le premier essai de Justine Roth. Un tout petit contretemps, donc on charge 78 kg. Voilà, la compétition reprend. Après, c'est libre et c'est ouvert en fait. Premier essai, Justine Roth, du club d'Agonau. Donc la retransmission de la compétition. Une barre avec quelques difficultés, mais peut-être est-elle à vous plaire. C'est bon pour Justine. Une bonne première barre pour Justine. À 10 kg de sa meilleure performance à l'épaule jetée et qui vient de rentrer dans la compétition et qui. Dès le premier essai, a pris la tête et va la conserver, bien entendu, puisqu'il ne reste plus qu'elle. Donc, elle est, elle sera vainqueur de cette édition 2015 de la Coupe Bernard Garcia chez les filles. On peut penser qu'elle va monter à donc Justine Roth, qui est une jeune fille qui a déjà réalisé 88 kg dans ce mouvement, qui vient de réaliser 78 kg sur ce premier essai. Qui maintenant doit passer à 79 kg sur ce deuxième essai. Sa
81 kg pour le deuxième essai de Justine Noah. Voilà, elle prend un peu plus lourd, 81 kg, pour se rapprocher de son record. Record de France à signaler, puisque Justine, depuis les derniers championnats d'Europe cadets à Landskrona, a son record à 88, record de France à 88, et un total également record de France à 155 kg, battu au championnat d'Europe. Belle performance de cette jeune athlète qui, depuis quelques années, ne cesse de progresser. Un petit peu en retrait à l'arraché, on va dire, mais bien performante à l'épaule jetée. Marie-Christoffel, qui est troisième, la Japonaise Héloïse Romero. Justine Haute, donc son deuxième essai à 81 kg. Sur le premier essai, elle était un petit peu déstabilisée parce qu'il y a eu un changement de barre consécutif. D'abord une barre garçon, puis une barre fille. Là, on est revenu dans la normale. On fait passer toutes les filles et ensuite passeront les garçons de cette coupe Bernard Garcia. Voilà. Jolie épaulée. C'est bon suivi d'un bon jeté et trois lampes blanches. Justine Haute, donc, qui va passer à 82 km son troisième essai. Il faut demander s'il faut continuer parce que ça a coupé la transmission internet. Va lui demander au gars qui est là-bas s'il faut continuer à parler quand même. Apparemment, la transmission est bloquée là. Alors, il va rester un essai à Justine à 82 ou 83 kilos, peut-être. Elle va utiliser les deux minutes qui lui sont accordées par le règlement. Elle va monter à 83, voilà, et ce sera sa dernière tentative. Féminine sur cette charge. 83 kg, on est à 5 kg des records de Justine Roth qui a déjà réalisé 88 kg dans cette catégorie. C'est une jeune fille donc, qui a été trois fois championne de France cadette, hein, qui a fait deux participations au championnat d'Europe, hein, et qui a le record de France, hein, de l'épaule jetée avec 88 kg. Il a changé de Dailymotion en fait. Oui, oui, oui. Bien, il lui reste un petit peu plus d'une minute à Justine pour réaliser ce dernier essai. Ensuite, on retrouvera les jeunes garçons. 83 kg pour Justine Haute. Il reste une minute au chrono. Ensuite se prépare Kans Quentin chez les garçons à 67 kg pour sa première charge. A une technique déjà bien élaboré pour Justine. Il manque un petit peu de punch, comme on dit. Et voilà, elle a la force dans les jambes pour pouvoir remonter cette barre. Et le jeté, en général, ne pose pas de problème. Et voilà. Voilà,
Un bel essai donc, réalisé. Et bon. On passe maintenant à 67 kg. Vous mettez la barre des garçons, s'il vous plaît. Donc on met la barre de 25 kg. Et on va donc charger la barre à 67 kg pour le jeune, Quentin Cons. Alex, non, mettez les mains, les jaunes, les mains de l'eau, les bleus. Disque jaune, là, on a le disque jaune. 67. Eh oui, bleu. 5 et 2. Eh oui, je leur disais, c'est changé. Quoi, il avait dit le disque rouge ? Allez, donc, non, mais à 75 les autres, mais là c'est 67. Avec le petit donc les disques bleus et ensuite on rajouterait donc le disque blanc. Donc la barre est chargée à 67 kg, ça sera pour le premier essai du jeune athlète de Figeac, Quentin Cons, qui est âgé de 14 ans. Et qui a un record donc à 75 kg et qui demande pour son premier essai donc la charge de 67 kg. Vainqueur du trophée national minime 2015, ce jeune Figeacois. Plein d'avenir, hein, bien sûr, à cet âge-là, et jeune débutant. Il a un bel épaulé de beau. Hein. Et une belle fente pour le jeter. Réalisé facilement, voilà, c'est parfait. Bon pour Cans de Canté. La barre est chargée à 68 kg pour le même athlète. Il va bénéficier de 2 minutes. C'est un athlète qui a déjà réalisé donc, 75 kg à l'épaule jetée. Il a été vainqueur du trophée des minimes en 2015. Donc Quentin demande 172 kg pour son deuxième essai. Donc la barre est chargée. Donc soit 3 kg de son record. Kilos. 72 kilos. Voilà, dont on pourrait supposer qu'il s'en approche ou même qu'il le batte, puisqu'il a déjà battu son record à l'arraché avec 57 kilos et il détenait avec précédent record à 55 kilos. Mais une belle progression pour ce jeune Quentin. Pas tout à fait 16 ans, donc la saison débute pour lui chez les KD1. Donc avec cette barre de 72 kg, il restera de toute façon, puisque c'est le plus jeune là de ce plateau garçon des petits as, il restera en sixième position, mais c'est important pour lui de découvrir ce genre de compétition de haut niveau, dans lequel tous ces jeunes prennent exemple et vont prendre exemple sur les plateaux suivants, où on découvrira tous nos athlètes de l'équipe de France, les meilleurs Français, les meilleures Françaises. Ah. Dommage, un petit déséquilibre sur l'arrière. Voilà, il était un peu trop en appui sur ses talons et son poids de corps... Additionné à la charge de 72, l'a entraîné sur l'arrière.
va disposer de 2 minutes pour rectifier un petit peu cette technique et essayer de réaliser cette charge. Donc il reste 1 minute 30 au chronomètre pour Quentin donc pour réaliser son troisième et dernier essai donc sur la charge de 72 kg. Que s'il réalisait cette charge avec le meilleur arraché à 57, lui donnerait un total de 129 kg. Donc il se rapprocherait à 1 kg de son meilleur total. Voilà, donc comme on est en début de saison, ça serait une bonne performance pour ce jeune athlète de Figeac, qui nous rappelons est âgé seulement de 14 ans, donc est minime. Donc. Troisième essai pour Kals Pantec du HEC Figeac. Club de Figeac, cher à un autre disparu dans notre famille haltérophile, Jean-Marie Chanu, créateur historique de ce club en Midi-Pyrénées. Voilà un bel épaulé, très dynamique. Et un jeté un petit peu déséquilibré, mais où il s'est bien bagarré. Il a été un petit peu déstabilisé sur l'épaulé jeté. Et une belle performance. Il a mis 72 kilos, un total de 129. Et il fait 193,94 à l'IWF. 95 kilos sur la barre. Donc vous mettez le disque de 25 puis le disque de 10. Sergent Renzo de Clermont Sport. Sergent Renzo qui a été deux fois champion de France. C'est un jeune cadet. Donc Enzo Sergent va débuter à 95 kilos. 95 kilos, c'est son record personnel. Alors je me fais reprendre par Daniel Menoni, qui me dit non, c'est ça le record de France. Belle performance pour Enzo. Donc la barre est chargée à 5 kg. Alors effectivement, c'est son record personnel. Record de France est à 101 kg pour Enzo. Donc depuis le mois de juin. On est à 1 kg du record de France et qui est détenu par le même athlète. Hein. Enzo Sergent. Donc, comme il a réalisé 78 kilos... Ayant réalisé 78 à l'arraché, eh bien, avec 100 kilos, il va déjà battre le record de France. Il battrait le record du total, détenu par un jeune Guadeloupéen, entraîné par mon ami Jean-Claude Collineau, et qui l'a battu au mois de juin. Bernard Bertilli, un jeune plein d'avenir également, du Body Club d'Omien, qui a réalisé donc au total 175 et Enzo devrait, je dirais sans problème, mon œil technique, moi qui l'ai déjà vu réaliser les 101 kilos au mois de juin à la finale de la Coupe de France, je pense qu'il battra le record du total avec ses 178.
s'il est bien placé et bien coordonné, il a la puissance qu'il faut et il a une belle technique. 5 kilos pour Enzo. Tentative contre le record de France du total. Un petit peu trop confiant peut-être Enzo sur cette barre. Il s'est laissé embarquer sur l'arrière. 2 minutes, pardon. Et donc, comme tout à l'heure, le jeune Quentin, il va disposer de 2 minutes et il va falloir qu'il rectifie cette position au sol, dans l'extension, de façon à ne pas se relâcher, ne pas tomber sur les talons et être déséquilibré sur l'arrière. C'est une barre qu'il vaut largement et le tirage doit lui permettre de rester dans l'axe. Il se prépare ensuite dans l'ordre. Garcia Floria, Muller Julien et Ildrin Mario. Troisième essai donc pour Serge Arendo à 5 kilos. Vous pouvez l'encourager. Beaucoup mieux à l'épaulé, bien sûr. Et voilà, avec facilité pour Enzo, je dirais une formalité, il valait beaucoup plus. Alors 105 kilos, ce sera pour le premier essai de Muller Julien, qui sera suivi de Ildrim Mario. La barre est chargée à 105 kg, ça sera pour le premier essai de Julien Muller du club de Clermont Sport qui a réalisé 87 à l'arraché et qui démarre déjà sur son record personnel qui est de 105 kg, il démarre donc dessus. Cadet 15 ans. C'est bon pour Julien, donc un jeté qui était un petit peu plus difficile que l'épaulé et qui date donc son record à l'épaulé jeté. Alors pour l'instant, Julien Muller garde la tête de ce match. Match des jeunes avec 105. Donc la barre est à 110 kg puisque Julien Muller prendra 110 à son deuxième essai. Et on va retrouver un autre Clermontais, Florian Garcia. À l'entracte, vous pourrez profiter pour prendre des tickets pour le Téléthon puisqu'il y a une tombola. Elle est là. Je l'ai
j'ai pas la date là. Je sais que c'est en 2001, mais j'ai pas le jour et le truc, mais on complétera plus tard. Hein. 2001. Et il n'est pas là sur la feuille non plus, non. C'est validé pour Florian Garcia. Sans. Alors là, ce serait une tentative de record personnel, il me semble, pour Julien Mulhor. À la fois, je dirais, sur l'épaulé jeté et sur le total des deux mouvements. Julien Mulhor qui dépasse tout juste la catégorie des 62 et qui a réalisé un beau 105 kilos à son premier essai. Il faut rester dans cette technique et sur les 110. Non, c'est total. C'est total. 178. 178. Il a fait 78 et 100. C'est le total. Troisième essai à chaque fois, tu peux mettre, ça fait 178. C'est le total qui compte. 78 plus 100. Voilà, un bel épaulé déjà pour Julien. Et il faut fixer pour propulser cette barre. Ah, c'est un peu... C'est un petit peu précipité. Une poussée un peu incomplète. Et il va lui rester 2 minutes pour reprendre cette barre à son troisième essai. Allez, c'est une barre importante pour Julien, ça lui permettrait de consolider sa première place du concours donc, et surtout de battre dans son record personnel du total olympique. Ah, il était en déséquilibre sur l'avant du pied, il s'est retrouvé en pointe de pied et cette barre un peu trop lourde pour être maîtrisée. La barre va donc être chargée un petit peu plus lourde avec 2 kilos de plus pour le premier essai de l'Alsacien Mario Ildirim. Qui pourrait bien demander plus lourd, bien entendu, parce que s'il veut prendre la tête de ce concours, il va lui falloir réaliser autour de 115 kilos pour battre Julien Mulhor. Donc il assure ce premier essai avec les 112 kilos. Et on va le retrouver ensuite sur une barre de match, comme on dit, pour prendre la tête. Sinon,
sinon tu le refais sur une autre feuille si tu veux. Hein. Je t'en redonne une. Un épaulé facile. Et un beau jeté avec une bonne impulsion, une fente un petit peu longue, mais c'est bien engrangé pour ce premier essai et peut-être assurer la victoire tout à l'heure. La barre monte à 113. Et c'est pour l'athlète de Monteux, Joanne Benoît. Ah, malheureusement, deux lampes rouges viennent sanctionner l'essai de Joanne Benoît. Sans doute un petit peu de laxité au niveau des coudes et des bras qui ont un petit peu tremblé. Et voilà, les arbitres n'ont pas validé cette barre. On va le retrouver pour son deuxième essai s'il veut assurer. Et on aura à suivre une barre à 115 kg pour Florian Garcia. Et même 116 pour Mario. Et ce sera au deuxième essai de Garcia. Eh bien, Joanne Benoît prend 115 malgré ce premier échec. Et donc la barre monte à 115 kg pour Florian Garcia. Et c'est ensuite Joanne qui reviendra pour essayer de valider cette barre proche de son record. Belle barre pour Florian Garcia qui égale son record personnel donc à l'épaulé jeté. Et on va retrouver Joanne Benoît de Monteux, 115 kg. Un peu crispé tout à l'heure sur l'essai précédent. C'est une première grande compétition pour cet athlète qui a une douzaine de mois d'entraînement seulement. Joanne réalise un bel épaulé. Maintenant, il faut se repositionner, être bien gainé avant de jeter. Une bonne impulsion. Un peu juste cette impulsion, mais il se glisse bien sous la barre. Et voilà, cette fois-ci, c'est validé par...
au moins deux arbitres sur trois, voilà, qui ont accordé cet essai. Pour le troisième essai, le deuxième essai, pardon, de Il Diri Mario du club d'Auvergne. Il Diri qui a réalisé dans ce mouvement 120 kilos. Il a été champion de France KD2 en moins de 69 kilos en 2015, donc cette année. Donc on va retrouver l'Alsacien Mario Ildirim à 116 kilos, record personnel à 120, donc on peut penser que ça ne lui posera pas trop de problèmes. Et dans ce cadre-là, eh bien, il prendrait la tête de cette rencontre, cette coupe Bernard Garcia qui récompensera les meilleurs jeunes de ce plateau féminin et masculin. Voilà, ben c'est réalisé facilement pour Mario, même si l'épaulé manquait un petit peu de dynamisme, il a assuré une belle barre. Sera suivi de Garcia Florian. Allez, Johan à 120 kilos, un bel épaulé normalement. Voilà, une bonne puissance de jambes. Et là, il faut ne pas plonger trop vite sous la barre. Il faut la propulser avec une bonne impulsion. Ah, c'est bien ce que je disais, une bonne impulsion. Sinon, la barre ne peut pas aller au-dessus des bras et de la tête. Il reste deux essais à 120 kilos pour Florian Garcia et Mario Ildirim. Alors, tentative de record personnel pour le jeune Florian Garcia à 120, à la fois au total olympique et à l'épaulé jeté. Un bel épaulé et il faut maintenant bien gainer pour une propulsion parfaite au jeté. Voilà, c'est fait. Une belle barre avec une belle technique, une belle propulsion. Et un record personnel. Il fait total de 205, troisième essai pour Ildirim. Donc Garcia Florian qui avait réalisé jusqu'à maintenant 88 et 115 et qu'il a aujourd'hui. Il réalise 85 et 120, un total donc de 205, toujours 120, toujours. Voilà donc le dernier essai pour Mario Ildirim, avec 120 kilos, pour parachever sa victoire sur ce plateau. Il égalerait son record personnel avec...
et 120 kilos. Athlète de 17 ans qui passe junior donc sur cette nouvelle saison sportive. Il ne pèse que 71,8 kg, donc belle performance. Voilà, un bel épaulé, ma foi. Et il s'est bien glissé sous la barre avec une bonne propulsion, un bon jeté. Voilà, ben, une belle victoire avec 6 essais réussis pour Mario Hilderim. On rappelle aux athlètes que les récompenses seront remises à 19h pour tous les athlètes. Donc les athlètes ont été en sous-vêtements, mais... Allez, les joueurs, suivez-moi. Musique, s'il vous plaît. Il faudrait que quelqu'un donne un coup de main à Francis, s'il vous plaît, pour monter le podium. Nous allons commencer par remettre la Coupe Bernard Garcia. Donc je demanderai à Myriam de bien vouloir monter sur l'estrade. Merci. Madame Alcara, s'il vous plaît. Ainsi que Madame Passio. Donc, sur cette Coupe Bernard Garcia, 4 athlètes filles en compétition. Elle a réalisé à la table du WF 189,08. Elle avait déjà gagné l'année dernière. Paul Justine. Deuxième, elle n'est pas du même club, mais par contre elle est de la même région. 578,7, Christophe Marie. Thank you.
là-bas, vous pouvez redescendre. Attention, mon père, là, ça. Merci à toutes les cartes. Faites attention au trophée parce que les verres sont très fonds des fois. Donc chez les garçons, premier, il dirige Mario de Auvergne avec 286,05. Récompense remise par la fille de Bernard. Deuxième. Attention. Deuxième, avec 277,20, Mulor Julien. Troisième, son compagnon de club, Sergio Renzo. Quatrième, Garcia Foria. Alors on le met de côté parce qu'il a été obligé de partir. Donc on lui met de côté le trophée. Cinquième, Benoît Johan de Monteux. Sixième, Kance Quentin. Il a fait une belle performance, Kansukatek, il fait 193,94. C'est un très jeune athlète. Il est né en 2002. Aussi. Ensuite, se prépare monsieur le DTN et monsieur le président Marc-Andrieux pour le tournoi international. Voilà, merci, vous vous remettez en place et on sort du plateau, ensemble. Allez, musique pour la sortie de la fête.